Cela fait déjà plusieurs mois que j'ai lancé mon TikTok un petit peu en secret. Alors si tu souhaites bénéficier de contenu exclusif et surtout de passer du bon temps sur TikTok, n'hésite pas à venir me follow, ça m'aiderait énormément. TikTok, c'est vraiment un réseau social qui apporte beaucoup de choses pour un créateur de contenu. Alors n'hésite pas à faire plaisir. Je poste du contenu régulier sur Dragon Ball Legends, sur moi, peu importe. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui le feront. Le lien est dans la description et rendez-vous sur TikTok. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on tiendrait pas là le tout nouveau cheat code de Dragon Ball Legends? Salut à tous les frérots, salut à tous les légendes, j'espère que tout le monde va extrêmement bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous parce que là il va falloir être peut-être prêt à une nouvelle invention, une nouvelle dinguerie sur la chaîne YouTube parce que oui, vous connaissez le concept du cheat code. Le concept du cheat code, il s'agit de... T'es avec Bardock, tu switches sur un personnage, ce personnage te permet d'un système ou d'un autre de re-switch sur Bardock et de re-switch, comme ça tu donnes deux boosts de Bardock. Et ça c'est super intéressant parce que ça devient n'importe quoi. Et ce qui va être super fort avec cette Pan, c'est que Pan, lorsque vous allez la mettre au bout de 5 secondes, vous allez pouvoir main. Le main réduit de 5 la durée de substitution. Vous allez pouvoir faire une carte verte. La carte verte réduit de 3 le temps de substitution. Donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir re-switch en 2 secondes. Et c'est ça qui va être super fort. Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin comme Lunch de générer la carte verte. Vous savez, des fois, tu n'as pas de verte en main, c'est un peu la galère. Et bien là, avec Pan, tu l'as directement. Tu main, tu l'as. Et même, au mieux, tu l'as avant. Tu vertes, tu main et tu revertes. Comme ça, là, tu es sûr à ce moment, tu pourras re-switch directement. Sachant que Gogeta Ultra, on rappelle, anti-code, c'est une dinguerie. Donc je vais justement l'essayer avec Gogeta Ultra. À noter également que si elle meurt, ça fonctionne aussi de la même chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester. Elle donne également un pivot, ça peut être super intéressant pour le cheat code. Elle met également 2-3 malus, mais je sais pas si ça suffit après le reste pour que ce soit vraiment bien plus fort. Alors faut pas oublier que Lunch quand même, elle détruisait les DB. Et détruire les DB, c'était super intéressant parce que ça faisait que ton personnage que t'avais cheat code, très souvent ne se faisait pas Rising Rush. Donc ça, c'était une très bonne idée. Après, au moins, elle la génère. Je dis pas que ce soit meilleur ou pas, parce que Pan, pour qu'elle offre vraiment son pivot full, il faut qu'elle se fasse toucher. Donc c'est pas trop l'intérêt du cheat code, sinon tu perds du temps. Donc en tout cas, on va aller essayer de voir ça. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça se trouve, c'est nul. Ça se trouve, c'est pas nul. Mais en tout cas, le but sur Legends, c'est de faire des essais. On a plein de persos dans le jeu. Donc on essaye et on s'amuse. Let's go. C'est ce que je voulais croiser. Je suis parti, les gars, en combat au trésor. Hein, évidemment, pour essayer de tester ça, je pense que ça sera quand même plus simple pour nous. Et on croise une team movie, un peu super-héros, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en face de nous, il n'y a pas de perso vert. Attention à couleur. S'il joue couleur, par contre, ça peut être grave embêtant. Mais bon. Bon. Alors, comme d'habitude, avec Pan, il faut attendre, les gars. Il faut patienter les 5 premières secondes. Donc là on l'attrape, donc ça c'est nickel. Ok. Et la carte verte ici, donc on a réduit, pardon, on réduit de 3, qu'est-ce que je raconte. On a réduit de 3 ici, on a re-réduit de 3, donc là il n'y en a plus qu'à attendre et on peut re-switch ici. Et là on peut cheat code les gars, je rappelle, là on peut cheat code. Ok. Bien joué ça. Bien joué ici, alors là ça va être un petit peu problématique. Va falloir attendre un Rising Rush ici je pense. Hein. Parce que là du coup il nous a bien eu. Il nous a bien eu. Alors ce qui est fort avec... Waouh. Ah ouais là c'est... Là le RR, ok d'accord. En fait ça, on peut le placer, mais le problème c'est que Gogeta Ultra il est loin là. Hein. Gogeta Ultra il est super loin, donc ça va pas être évident du tout cette histoire là. Ça va pas être simple, ça va pas être simple cette histoire. Ok, on tape ici. On n'oublie pas avec Gogeta Ultra les gars, on... Oh là là, il augmente le temps d'attente. Bon, ouais. Ouais, bon, normalement elle m'empêche pas de jouer quand même. Elle m'empêche pas de switch en tout cas. Ok, 2,6 là, ça c'est pris déjà. Ok, en carte verte ici, on se paye, si on crit on est super bien. Le crit est pris, ok, bon, ça c'est fait. Bon, bah voilà, je sais pas du tout comment on arrive à faire ça, j'ai le chier complet. J'ai chié le cheat code, je l'ai chié complet.
Mais on a quand même réussi à s'imposer. Je vous avoue que j'ai pas trop compris. Je vous dis, ça sera le pire parce que là, on a même pas réussi. On l'a placé. La première fois, on n'a pas réussi parce qu'on l'a pas attrapé. La deuxième fois, on le place, mais il reste que 5 secondes. Enfin, on a vraiment beaucoup de chance là. J'ai pas trop compris, mais cool. Ok, les gars, on est face à Movie. Et d'ailleurs, j'ai dit une énorme bêtise hein, en début de vidéo. Je vous dis une énorme bêtise. Elle réduit de 3 et de 3 avec la verte. Donc il reste 3 secondes, mais je me suis trompé. Donc au mieux du mieux. Ce qu'il faudrait faire, c'est verte, main verte. Dans ce cas-là, vous pouvez switch directement. Ça, c'est super broken. Ça pourra arriver. Hein. Il suffit qu'on ait une verte au début de la game en main. Et ça peut complètement le faire. Mais oui, j'ai fait complètement meilleur. En fait, j'étais persuadé dans ma tête, c'était 5 comme Vegeta violet. Vous savez, Vegeta violet dire. Mais c'est pas grave. On s'est fait surprendre. La première game, c'était un brouillon complet. C'était n'importe quoi. Mais je vais vous... En face de nous, il y a double cover. Et alors, il y a Gogeta 4. Alors, le problème sur Gogeta 4, c'est qu'il a quasiment aucune cap Z. Donc, et ben voilà, on a une verte en main. Ça, c'est parfait. Ok, il faudrait gagner Clash ici. Détruis-moi pas ma verte, c'est tout. Je te demande tout, mais pas ma verte. Juste, tu détruis pas ma verte, c'est tout. Allez, arrête-toi de taper là. Carte verte. On va même garder la carte verte ici. Ok, c'est parti. On est parti ici. Évidemment, si on crie, tiens, un kill, hein, on est bien d'accord. Ok, oh, mais gros. Oh là là. Et le kill est pris sur Gogeta 4. Hein. Ça a pas crit, je crois, l'ulti, mais je pense qu'on prend quand même. Hein. Je sais pas. On fait trop mal. Ok, c'est parfait. On n'avait pas crit hein, sur l'ulti ici. Ok. Le kill est pris. Ok. Et ben bah voilà. C'est parfait. Là, voilà. Là, d'accord. Là, ok. Vous avez vu la petite strike sur Gogeta Ultra. Sur Brawl Ultra, c'est plutôt très satisfaisant. Et là, ce qui nous a mis super bien, c'est vu qu'il a fini de taper. Alors là, c'était vraiment le truc parfait avec Pan. C'est-à-dire que vous finissez le combo, vous faites taper. Vous avez une verte en main. Donc là, vous faites votre verte. Main, donc vous avez le boost dégâts parce que vous êtes fait taper de 30%. Le boost du switch, donc là, il a fait quand même beaucoup de pivots. Vous mettez votre carte verte. Vous mettez votre main et vous gardez la verte pour l'anti-cover de Gogeta Ultra. Là, c'est le truc genre parfait, mais ça va être rare de replacer ça tout le temps. Bon, je croise les doigts pour que ce soit pas double vert là. Je vous avoue, si c'est double vert, j'ai un peu le seum quand même. Parce qu'on va tomber dans une. Genre vraiment, mais double vert, mais qui joue double vert? Si c'est ça, j'ai vraiment pas de luck. Non, je pense pas. Il devrait partir au moins avec Pan Rouge, hein, j'ose espérer. Je viens juste de capter un truc de ouf. Il a la team parfaite pour me contrer. Pan réduit le taux de critique. Donc c'est horrible. Et Trunks le feu aussi. Je viens juste de capter en fait. Ça va être ce mariage. Ok, bah ouais, c'est ça le problème. Ok, on mène ici. On va garder la verte pour que je te crains. Bon, ils mettent une spé là direct. Tiens. Oh, let's go! Alors là, mais là je suis l'homme le plus heureux du monde. Oh, let's go ça! Bon, là on a perdu nos. Enfin, il. Merde, j'ai un cheveu dans la bouche. Non, j'ai pas voulu spé, j'ai fait n'importe quoi. J'ai bégayé parce que j'ai un cheveu dans la bouche, non. Allez, perfect. Oh, ah bah oui, qu'est-ce que je fais moi. Désolé, mais là on met pas hein. On casse le cheat code, mais là on a fait une game incroyable. Donc là on veut juste gagner. Bien joué ça. Allez, casse-toi. Allez, dégage de là maintenant. C'est bon, ton cinéma il est sympa à 2 minutes. Maintenant tu te casses. Ok, donc elle nous a juste empêché de main. Donc ça peut être un petit peu relou. Oh, le one shot là. Oh, le one shot là. Ça fait plaisir de voir la bête se faire one shot là sur une spé. C'est quand même. C'est ouf en vrai. C'est quand même ouf. Je sais même pas comment ça doit être 6 ou 7 étoiles. Je crois la bête en face. Ça c'est cool. Mais vous voyez ce qui s'est passé à la fin. Trunks réduisait l'autocritique et Pan aussi. Du coup, on n'a pas crit. Bon, après ça nous a pas empêché de tuer Gohan. Ah ouais, là, alors là c'est. Alors là, t'as vraiment le tout pour le tout. Après, on est en combat au trésor, hein. y a pas de galère. Y a pas de galère, et puis bah, on s'impose. Et vous voyez ce que nous permet de faire Pan. Hein. Ce
parce que là c'est pivot à chaque carte et tout, c'est super intéressant. Donc, et bah ça a été broken, Gogeta Ultra, Scott c'est toujours un putain de régal, c'est le perso ultime pour moi, c'est Gogeta Ultra, toujours à l'heure actuelle. Broly LF c'est pas mal, hein, j'avoue, mais Gogeta Ultra, c'est même le main qui arrive à 160 au timer, c'est ouf. Et on affronte Cooler. Alors moi je préfère 100 fois affronter Cooler ou Ryuken que Pan ou Trunks Vert, parce que justement on a dit réduction de critique. Là il n'y a aucune réduction de critique, donc s'il se fait attraper... T'as compris, c'est non. Ah là là, j'adore vraiment le cheat code, c'est... Quel régal. Sortez-moi en autant que vous voulez des persos CG. Je kiffe. Est-ce qu'il va break? Elle est bien fait de pas switch là. Ok, carte verte. Vous voyez là ce qui nous manque c'est la carte verte ici. C'est pour ça que c'est un poil moins fort. Enfin. Carte verte ici. Xon. Ah, je suis con. Okay. Tue pas. Il tue pas notre Pan ici, on va prendre le maximum de risques avec Pan. Non, rien serré, parce que si elle meurt, Gogeta Ultra, il re-cheat code. En fait, pas tout de suite, mais... Ok. Bien joué. On va perdre, hein. Oh, bien joué. J'ai hésité à strike. Bien joué. Ah, Gogeta Ultra, tu vas peiner, là. Je te spoil, Gogeta Ultra, tu vas peiner, là. Aussi fort que tu es, tu vas peiner. Ok, il va tuer... Ok. Pas. On va peut-être se faire erreur, hein. On est malgré tout bon. Face à Piccolo, on peut s'en sortir, hein, mais. Oh là 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 là, ouais, non, mais gros, il y a trop de n'importe quoi. Gogeta Ultra, c'est n'importe quoi. En termes de dégâts, je pense qu'on n'est pas au-dessus de code V2, peut-être pas. Mais on est au-dessus du cheat code normal, je pense, en termes de dégâts purs. Enfin, je sais pas, ça se trouve, ça sera la même chose avec Lunch, mais... Ah, c'est ouf, hein, c'est ouf. Après, par contre, faut réussir à tout... Enfin, là, c'était presque le moins bien, parce qu'on n'avait pas de... On s'est pas fait toucher Pan. On n'avait pas de carte verte au début de la game. Vous savez, la carte verte n'est jamais venue au début de la game. On a dû la générer avec Pan, donc au final, il faut attendre quand même 3 secondes. Tu perds 3 secondes, ça qui est chiant. Alors qu'avec Lunch, tu fais tac-tac, hop, tu re-switch direct. C'est ça, c'est un petit peu désavantageux sur ça. Par contre, si t'as une verte en main, main verte. À ce moment-là, je me demande si c'est même pas encore plus fort parce que tu t'as même pas besoin d'esquive ou quoi. Non, je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous en aurez pensé, les gars, mais c'est... Ah, c'est la folie, hein. Franchement, ça passe trop bien, hein. Ça passe trop bien. Mais vous avez vu, je suis même plus choqué des dégâts. Enfin, là, j'étais choqué parce que là, la strike sur Piccolo, je trouve qu'elle est monumentalement scandaleuse. Mais c'est pas mal aussi de garder une verte pour l'anti-cover de Gogeta. En tout cas, en face de nous, il va gérer, il veut faire, vous savez, le truc avec Mirai Gohan qui meurt, qui donne vitesse de pioche à Gohan et il devient jouable, là. C'est super fort, ça. Si en face de nous on le laisse pas se mettre en place, ok. On a une verte, les gars. On a une carte verte. Est-ce qu'il va cover ou pas? Il va le laisser mourir, je pense. Hein. Ok, est-ce qu'on peut spécier? Non. Un peu relou qui nous attrape là. Ça a donné du pivot, mais un peu relou quand même. Ok, on va switch direct. Ok, détruire ma carte, je m'en fous. Non, mais gros, mais...
c'est ouf, hein. Sincèrement, c'est abusé. 6 millions, 5 millions 6. Non, non, je... Bien joué ici, mais il est pas tiré d'affaire. Hein. Il est loin de tirer. Alors là, regardez bien le combo que va nous faire Gwenvist. Non, mais regardez bien. Préparez-vous. On va essayer de le faire Rising Rush Pan, ça serait la meilleure idée, mais là, regardez bien. Préparez-vous. Ah, hein. La clim. Oh, la clim de baiser, gros. Ah non, mais là, gros, la clim, mais gros, qu'est-ce que t'as fait, hein? Pourquoi t'as break? Mais les gars, il s'est loupé dans le combo, il avait largement de quoi continuer. Bon, bah, allez, dernière game après, mais c'est pas mal la strike sur Gwenbis ici, j'ai bien aimé. Et ben, on affronte une cible qu'on a vraiment pas l'habitude de voir. On voit que c'est quelqu'un, ça, je pense, qui n'a pas invoqué encore une fois sur des best super-héros. Et qui joue plutôt en combo au trésor pour pas être frustré de croiser que des Gohan Beast. Et je pense qu'il a plus ou moins raison. Donc il a une très belle team en face de nous, mais qui va être pas si embêtante si on arrive à mettre en place ce qu'il faut. Parce qu'on peut vite nous l'embêter avec notre génération de cartes vertes avec Pan. Et si on attrape, après il y aura la cover de Migaté, mais il faut voir. Parce que Vegeta Vert, cette étoile, il va pas tanker Gogeta Ultra. En tout cas, pas un ulti, c'est sûr. Après, les gars, un ulti de Gogeta Ultra qui crit. Il y a quand même peu de persos dans le jeu qui sont en mesure de le tanker. Franchement, de 3 persos verts, Broly Ultra et même pas. Je sais même pas pour lui. Oh, c'est auto-obligé. Mais c'était sûr, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est ouf. Ah, franchement, c'est drôle quand même. C'est quand même très drôle. Allez, on mène ici. Mon carte verte. Il reste 3 secondes à attendre, on va pas grid. La petite strike elle est pas mal là, mais faut voir. Bon, toi déjà c'est ciao. Préfère. Allez, c'est parti. Ok, les dégâts, c'est quelque chose. Utilise quand sur le boost de crit. On crit. Je sais pas comment il est son RR, me posez pas de questions. C'est pris. Je pense qu'on a la game ici, donc on a One Strike Migaté quand même dans l'eau. S'il bouge, Rising Rush. Pas de bouge, pas bouger, pas bouger, pas bouger. Il n'a pas bougé, et puis là, bah, sincèrement, je vois pas comment il gagne la game. Je pense que ça va même déco ici. Je pense qu'il va déconnecter, alors on va essayer de gagner sans Rising Rush, on n'a pas besoin. On a de la récupération de TP avec Bardock qui nous permet de temporiser. On a Lunge qui va devoir Rising Rush, il va booster Gogeta Ultra. Enfin. Pas écouter pas de côté, mais il doit être bien là, non, oh, non. Il est pas là, bien joué. Ok, il nous attrape ici, mais encore une fois, là, s'il veut, je veux dire, là, arrête de te débattre, mon ami, là, je t'aime bien, mais en plus, Rising Rush contré et tout, là, c'est... Ça reste quand même compliqué, là, hein. T'arrives un petit peu en fin de parcours. Si je peux me permettre, rends les armes. Voilà. C'est parfait, et ben j'espère que ce cheat code avec Pan vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que ça vous plaît ce petit cheat code V3? Ça fait plaisir de voir des unités qui te permettent de faire ça. Ce personnage est une putain de masterclass. Gogeta Ultra, les dégâts ont été fous. Big up pour l'aspect critique qui est quand même encore plus impressionnant que la strike ici qui one shot Migaté. Parce qu'en vérité, bon voilà, ça m'étonne moyen. Mais très intéressant. J'espère que ça vous aura plu, on se dit à très vite. Et ciao.